Bonjour à toutes et à tous, c'est Tuffitoff, on se retrouve pour ma petite vidéo du week-end, du dimanche. Avant c'était du week-end, maintenant je sais que ça sera tous les dimanches. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Alors là, vous voyez, il y a du Final Fantasy X qui tourne. Parce que je vais jouer un peu pendant cette vidéo. Oui, du 10 et du 10-2 HD. C'est vrai qu'il y a le 10-2 dedans, mais bon. Je vais en revenir, c'est pas forcément un Final Fantasy que j'apprécie, donc... C'est plus pour le 10 que je l'ai pris. Bref, pour vous parler un peu de tout ce qui s'est passé dû à la mésaventure qu'il y a eu la semaine dernière avec l'ordi qui m'a lâché et tout, et au point où j'en étais dans mes sauvegardes, l'avance, les enregistrements que j'avais perdus, tout ça. Donc au niveau de Mass Effect, ça va. J'ai pu tout récupérer. Ah, si je me déplace et que je shoote dans des choses, moi ça ira pas. Voilà, Mass Effect, ça va. J'ai pu récupérer tranquillement. Donc ça c'est cool. Il n'y a pas de retard. The Walking Dead, donc je vous avais dit, j'avais paumé pas mal de choses parce que j'avais bien avancé. J'ai rattrapé le retard au niveau pour la semaine prochaine. Il n'y aura pas de soucis, donc normalement, voilà, à 99% sûr, à moins qu'il m'arrive une autre merde, la semaine prochaine, ça sera une semaine qui sera redevenue normale. Donc ça veut dire que lundi, je vais vous mettre du The Walking Dead. Mardi, Mass Effect. Mercredi, je vais reprendre juste une vie. Jeudi, donc, The Walking Dead. Vendredi, je vous remets du Mass Effect. Et normalement, le samedi, il y aura encore un épisode de South Park. Donc, normalement, l'épisode 3, parce que si tout s'est bien passé, au moment où j'enregistre, parce que pour moi, on est le samedi. Voilà, pour être précis, il est 10h58 du matin. Et je suis en train de rentrer la vidéo de l'épisode 2 de South Park. Donc, normalement, tout devrait bien se passer. Voilà, donc, le samedi, vous aurez eu South Park. Bref. Pour le prochain film game, j'ai commencé, je sais ce que je vais faire. Donc ça c'est cool. Je vais commencer à enregistrer tout ça. Normalement, après cette vidéo que je vous tourne, je devrais me mettre là-dessus. Après manger peut-être aussi. Hein. On verra. On va voir, je réfléchirai à quoi manger. Bref, on s'en fout. Ouais, donc le prochain film game... Alors, peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, peut-être pas... Bref, vous m'aurez compris, pas la semaine qui arrive, celle d'après, certainement. Ou peut-être cette semaine, si tout se passe bien. On va voir le temps que ça va prendre et tout. Ce que j'ai découvert, bah, pour vous donner un petit indice, voilà, j'ai découvert les joies de rentrée des vidéos 2080p sur la chaîne. Il va falloir qu'un jour je me... pose la question de la connexion internet, mais là vraiment pas tout de suite parce que l'ordi a un peu coupé pas mal de plans que j'avais en tête, donc voilà, ça va être chaud. Ouais, parce que 1080, donc c'est super long à rentrer, super long, donc je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais vous verrez, j'espère que ça vous plaira. J'espère avant tout que ça vous plaira, parce que c'est ça le plus fun quand même. C'est quand je m'amuse à le faire et qu'en plus, quand vos retours sont positifs, bah c'est merveilleux, c'est excellent. Oui, d'ailleurs, tiens, pendant que je pense à ça, au retour, cette semaine, bah, vous avez été encore pas mal à m'envoyer quelques messages, donc je vous en remercie. J'ai pas encore répondu à tout le monde à l'heure qu'il est. J'espère que ce week-end, je vais prendre le temps de répondre à tout le monde. Si jamais c'est pas le cas, je suis désolé, je vous répondrai rapidement. Promis. Voilà, alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je ne sais plus trop, donc on va se lancer. Alors j'ai hésité, bon ça, s'il y a plusieurs choses dans le jeu, dont des trucs qui n'étaient jamais sortis en France, donc ça fait plaisir. Pour Final Fantasy, le remake HD. Je pense que on va se faire du FF10, FF10-2, bon. Voilà. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé d'FF10-2, qui est vraiment pas un épisode que j'apprécie. Je sais que certains l'aiment. Moi, vraiment, l'ambiance, l'univers, tout ça, c'était pas passé. C'était vraiment pas passé. Et donc, ouais, le Last Mission aussi, qui était jamais sorti en France. Il me semble, hein, à moins que ça soit sorti d'une certaine manière, que je ne sois pas au courant, mais il me semble que non. Et ça, c'est cool que ça soit dedans. Donc ça, on verra plus tard pour le faire. Je sais pas, je ferai peut-être juste une vie dessus un coup, ou j'en sais rien.
On verra. Donc pour l'instant, lançons ça et allons regarder parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer depuis. Je l'ai reçu hier. Je l'avais précommandé. Et voilà, j'ai toujours pas pu y jouer. Donc on y va. Or, si jamais Final Fantasy X, le HD ne vous intéresse pas, eh ben je vous dis au revoir. A très bientôt, je réfléchis. Je pense que je vous ai tout dit, ce que je voulais vous dire. Non, il me semble. Temps de chargement. Non, normalement, c'est tout bon. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse pas, allez, ciao à tous. Bye bye pour les autres qui veulent voir un peu de FF10, de début. Le premier Final Fantasy Square Enix, juste après leur fusion. Donc c'est parti. Eh ben on se tape des temps de chargement, sympa ça. En gros, c'est ce que j'ai vu sur les tests, ce qu'ils en parlaient, c'est que tous les temps de chargement sont restés, quoi. Je kiffe cette musique. Elle était magnifique celle-là. Je vais mettre un peu de son, je suis désolé. Voilà. Nobuo Uematsu. Je sais plus si c'est lui qui avait fait. Il avait pas fait la BO complète hein, du jeu. Il me semble que non, de toute façon là ils vont certainement l'indiquer. Alors je sais pas combien de temps va durer la vidéo hein, pour être franc avec vous. Peut-être 20 minutes, une demi-heure. On verra. On va voir selon mon envie. Après, j'ai d'autres choses à vous faire quand même pour vous. Je vais pas pouvoir me plonger à fond dedans. Pas grave. On y reviendra. J'aimerais bien vous faire une série sur FF10. Mais la prochaine, je pense que je refais comme la dernière fois pour quand vous avez choisi The Walking Dead. Je vous remettrai plusieurs jeux et vous me direz ce que vous avez envie de voir. Il y a trop de jeux que j'ai envie de faire, trop. Puis là, dernièrement, c'est vrai qu'avec. Voilà, pour revenir encore sur ce qui s'est passé, si j'avais su, j'aurais peut-être pas commencé Metal Gear et South Park. Vu le temps là que je suis obligé de rattraper et que c'est un peu galère. Mais je vais essayer, de toute façon, je vais aller au bout de ces deux jeux, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah, si on m'autorise à aller jusqu'au bout, bien sûr, hein. ça reste des détails à prendre en compte. Mais voilà. Mais si j'avais su, ouais, j'aurais peut-être fait différemment. Mais bon, c'est les choses qui arrivent, on peut pas toujours tout prévoir. En tout cas, là, c'est bon, je pense que je vais être reparti sur un bon rythme et ce sera quitte de me prendre la tête. Sakaguchi, tu nous manques hein, dans les FF, toi. Ah bah. Vous pouvez voir, hein, charge est partie, il n'y a que dalle. C'est vraiment ma première partie, transfert de données. C'est quoi ça? Ah, c'est pour... si on a le jeu sur Vita, ok. Non, retour à l'écran titre. De toute façon, il est même pas cross-buy, je crois. Hein. C'est que si vous voulez, il faut racheter. Ça, c'est dégueulasse, par contre. Quel type de... Bah, standard, pour l'instant. Il y a des détails que j'ai oubliés de ce jeu. Vraiment. Je crois qu'il y a FF10, j'ai dû le faire une fois. Peut-être deux, au pire. Mais... Alors, est-ce que c'est réellement plus joli? Eh bah, vu que j'ai peu de souvenirs vraiment du 10, j'ai regardé des vidéos comparatives sur le net, donc ouais, ça semblait plus joli, mais... C'est vrai que j'avais envie de m'en replonger dedans, et quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, tiens, je vais le prendre, et... Ce sera toujours cool. Mais des fois, il faudrait que j'arrête d'être aussi fanboy, ça ferait du bien à mon porte-monnaie. Voilà, parce que j'aurais su, si j'avais tout deviné, je l'aurais pas précommandé depuis longtemps. Même s'il coûte pas très cher. Bon, j'ai pris une édition avec un
une édition limitée avec un petit bouquin d'artwork dedans qui est sympa, mais s'il était pas spécialement plus cher, donc je me suis dit que j'allais encore faire mon fanboy sur le coup là. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû, bref. Je me souvenais pas de ce début aussi long. Oui, donc on va faire une vidéo un peu plus grosse, parce que là on est déjà à 10 minutes. On est déjà à 10 minutes, on n'a même pas commencé à jouer. En même temps, l'histoire, tant qu'elle se met en place, elle met un peu de temps à arriver. Comme dans tout RPG, au final. Ah si, ça semble quand même au niveau... C'est plus... Je sais pas... Listen to my story. Ça parle, oui, le premier Final... J'en bafouille, le premier Final Fantasy qui avait des voix. Le premier... Bon, il n'y avait pas des voix tout le temps. Parce que j'avais trouvé ça dommage à l'époque. Il aura fallu attendre FF13, mais ça c'est récurrent dans les RPG. Hein. Chose très récurrent, mais au début ça fait vraiment bizarre qu'on sorte de jeux vraiment à texte, où on lisait, où on s'imaginait des voix sur les personnages, quand tout d'un coup ils en ont commencé à en donner, et qu'ils en donnent pas tout le temps. Je me souviens qu'à l'époque ça m'avait pas gêné, pas jusqu'à ce point, mais j'avais trouvé ça bizarre. Mais où est cette cinématique qui claque du début? J'étais persuadé que ça commençait par ça. Dans mon souvenir, ça commençait par cette fameuse cinématique où on voit Tidus dans l'eau. Cette ambiance, quoi. Bonjour. Merci. Hop, où est-ce qu'il faut que j'aille, moi? Faut que je parle à quelqu'un en particulier, faut que je chine des ballons, c'est ça. Je commençais à faire le vrai footballeur, quoi. Le mec qui passe à côté des gosses et qui les calcule même pas. Je suis vraiment un salaud. Bon, on va garder ton nom. Oui, vas-y. J'ai jamais changé le nom de mes persos dans les FF. Tenez, désolé les enfants, désolé d'avoir fait mon footballeur. Salut. Bien sûr, mademoiselle. Avec joie. Le blitzball. C'est cool, j'ai vraiment envie de me refaire des parties de ça. Ouais, c'est là où dans Final Fantasy il a commencé à avoir des rires. Et merde. C'est vrai qu'ils ont remasterisé des musiques, je suis en train de me dire depuis tout à l'heure, c'est pas... Ah, ça fait space, leur musique. Ah, c'est papa. Oui, c'est pas du spoil, c'est dès le début normalement. Ouais, je crois que c'est là.
was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Non. Si. Zanar, I says to myself, what are you thinking? Bon, bref. I went running straight back home. Trop... We sat up talking about Jack all night. J'étais un peu vite. Il a peut-être fallu que je marche pour avoir toute l'histoire. Make way, make way. Coming through, sorry. Pardon, pardon, voilà. Hey, I'm gonna be late. Hey, let go of me. Et bon, c'est parti. On joue au début. Ah bah voilà cette cinématique que je parlais. Dont je parlais. Elle était déjà très belle à l'époque, alors je pense qu'aujourd'hui. On va voir si elle a mal vieilli ou pas. Perso, je dis que non, hein. Ça a toujours de la gueule. Oui, puis non, on joue pas du tout le premier match là. J'avoue l'ambiance, hein, c'est. Il était bon ce morceau, bah pour ceux qui aiment hein, quand c'est un peu bourrin. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, ça fait mal. Première apparition de Sin. J'adore cette image. Quand ils s'en rendent compte, la tête en bas. Ah, ça déboîte toujours, ça déboîte toujours, c'est bien ça. C'est bon ça. Bon, pour l'instant ça va, les temps de chargement sont pas si longs que ça. Regardez juste une chose. En plus, ça a commencé à être des Final Fantasy en couloir là. Je suis en train de me dire, le 10 c'est assez quand même linéaire. Je me souviens qu'à l'époque il y avait un truc que j'avais pas apprécié dedans. Salut toi gamin. Un truc que j'avais pas apprécié, c'est qu'il y avait plus de cartes du monde. C'est où on passait juste dans des menus pour aller de ville en ville une fois qu'on avait découvert des lieux. Ça, je me souviens, c'est un truc qui m'avait frustré à l'époque.
qui m'avait bien frustré. Mais ouais, mais c'est quand même très couloir. C'est un peu comme le 13 au final. Hein. Ou peut-être plus comme le 13-2. C'est pas, faudrait vraiment que je rejoue longtemps à ce jeu pour C'est vrai que là, le chargement il était facilement évitable aujourd'hui. À l'époque, beaucoup moins, mais. Ok, c'était pour charger ça en fait. On va commencer les premiers combats sur ce pont. Je vais quand même penser au début du 13. Hein. Je sais pas ce que vous pensez dans l'ambiance et tout. Vraiment le début quand on arrive avec Lightning et. Et Mister Chocobo dans les cheveux, là j'ai oublié son nom, hein, super. Comment il s'appelle déjà? Merde. Je sais plus. Le nom m'échappe. Oui, donc on sait depuis le début presque que c'est son père, parce que là. Ok. Ah, c'est. C'est encore bien dynamique. Spéciaux, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh, on va peut-être pas utiliser tout de suite. J'ai des objets, je sais quoi. Ok, j'ai dit, ouais, ça devrait aller pour le début. Allez, on continue de foncer, on continue de foncer. Venez manger, ah, c'est clair qu'il y a des écrans noirs tout le temps. Puis mettre la musique dedans si j'en fais une série, je sais pas comment je vais faire. Chier ça. C'est avoir des coupes de musique des fois c'est chiant. Ouais. Bref, on verra, on se posera la question si jamais on le fait. Salut toi. Aïe. Get out of my town. Some can't wait to die. Attendez, parce qu'il faut pas que je me plante. Ah lâche avec. Ah putain. Quel boulet, j'ai inversé le L et le R. Mais quel boulet. C'est pas possible. Je commence à inverser ma droite et ma gauche, moi ça va pas aller dans la vie. Toi c'était quoi déjà? Ah il faut bien la taper. Une potion vite fait. Je joue très mal, hein. Je suis désolé. Tant que ça revienne.
Prends-toi ça vite fait. Ah, attends, faut que j'utilise une petite. Je dis, je fais n'importe quoi. Un tap. Tape, mais tape fort. En même temps, j'aurais pas foiré mes overdrive. Ça aurait été nickel. Ça serait passé tout seul. Bon, il en reste combien encore à péter? Faut que je me soigne là. Faut que je me soigne un peu, sinon. Eh, 26 minutes. On fait quoi? On se finit ça. On regarde la cinématique d'après et on y va. Et je vous laisse, je pense. Ils affichent pas des points de vie total. Bon là normalement ça devrait passer. Voilà. Et ben voilà. Je vais quand même niquer sa gueule, mais bon, j'ai très très mal joué, je suis désolé. Navré de cette prestation. Comment je fais pour... Je vais pas rentrer dans le menu. Petit point de sauvegarde, mais on va pas s'en servir. Vas-y, crache les morceaux. Ok. Ça commence à puer la merde là quand même. Hein. Faut que je me soigne. Je vais choper celui qui a... Voilà. Hop. Ah mais bon, faut que je soigne l'autre. This could be bad. Knock it down. What? Trust me, you'll see. Ok. On va se débarrasser de tout ça. Attends, parce que j'aimerais le soigner en fait. Avant. Si résistant que ça? J'avais pas souvenir qu'ils affichaient pas genre 420 sur... Je sais pas combien j'ai de points de vie en tout au début. À jouer, toi tu tapes, bon ça a marché au final. On fout un peu la merde. Bon là ça a pris un petit coup de vieux, les explosions avec les graphismes in-game. Et bon, pour un jeu PS2. D'accord. Ah.
on se quittera après ça. Je pense que c'est là que j'ai... Par contre, celles-là sont toujours aussi jolies. Ok. Bah, tout commence. Bah, pour nous, tout va s'arrêter ici, plutôt. Tout va s'arrêter ici. Hop. Et bah voilà, bah je vous remercie si vous m'avez suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis désolé, j'ai pas trop parlé, j'ai pas trop dit des choses pendant que je jouais parce que je me replongeais petit à petit dans l'ambiance de ce FF. Et voilà, donc ça, si jamais on en fait une série, vous verrez la suite, sinon... Je pense que vous trouverez assez facilement sur le net des gens bien plus compétents que moi pour vous faire des playthroughs là-dessus. Allez, je vous dis à très bientôt en tout cas. Merci pour tout et à la semaine prochaine pour voir où on en est sur la chaîne et sur le prochain film game. J'espère que j'aurai bien avancé d'ici là. Bref, allez, ciao à tous. Bye bye.